السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا أعمالنا وأصلح لنا نياتنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cours d'aujourd'hui, inchallah, je l'ai consacré pour répondre à deux questions qui m'ont été posées. La première question, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre de penser qu'un péché dont on s'est repenti a été pardonné ou pas? Donc c'est une question qui est très importante. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre de penser qu'un péché dont on s'est repenti a été pardonné ou non? Il faut savoir que les péchés sont un malheur et un vice qui touche l'être humain, qui touche le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui l'éloigne de son Seigneur. À cause des péchés, ce serviteur ne ressent plus la douceur de la foi. Il ne ressent plus la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les méfaits et les conséquences des péchés. Mais quels que soient les péchés que commet l'être humain, quel que soit leur poids qui pèse sur son dos, la porte, walhamdulillah, du repentir est ouverte. Et le Seigneur demande, subhanahu wa ta'ala, qui est al-ghafour, al-ghaffar. Et là, subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son humble livre, dans surat al-Kahf, verset 58, وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Les savants disent que le pardon des péchés est l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le pardon des péchés est une miséricorde et une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les noms Al-Ghafour, celui qui pardonne, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Qabil al-Tawb, celui qui accepte le repentir, ces noms-là font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Hijr, verset 49, Nabbi' ibadi anni ana al-ghafur al-rahim. Regardez ce verset, comment il est beau. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a écrit un livre avant de créer la création dans lequel il est inscrit, certes ma miséricorde prévaut sur ma colère. Et il est écrit auprès de lui au-dessus du trône. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Allah subhanahu wa ta'ala est très miséricordieux envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ghafir,
verset 7 dit, dans le sens du verset, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent, ça veut dire les anges, célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toutes choses ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Regardez l'invocation de ces anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout prophète, et le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tout prophète a eu une invocation exaucée. Quant à moi, je réserve mon invocation afin de l'utiliser pour intercéder en faveur de ma communauté le jour de la résurrection. Dans un autre hadith, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit, mon intercession, shafa'ati, li ahli al-kaba'ir min ummati. Ça veut dire que mon intercession, le jour de la résurrection, sera en faveur des gens qui ont même commis des grands péchés. Nous pouvons trouver dans le Coran également que le pardon est l'appel des prophètes, alayhimus salam, et l'appel du monothéisme, al-tawhid. Nous pouvons citer par exemple l'appel du prophète d'Allah, Shu'aib, alayhi salam, qui dit et implorez, il dit à son peuple, et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui, mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Nous pouvons trouver aussi l'appel du prophète d'Allah Saleh alayhi salam et nous avons envoyé aux Thamoud leur frère Saleh, le peuple de Thamoud, leur frère Saleh qui dit ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre, il vous a créé, il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. Et Allah subhanahu wa ta'ala a privé à Shaytan, le diable, Iblis, du pardon. Mais il a accordé ce pardon au fils d'Adam comme honneur de sa part, subhanahu wa ta'ala, pour eux. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Iblis a dit, je jure par ta puissance. Il s'adresse à Allah, Iblis, il s'adresse à Allah en disant, je jure par ta puissance que je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps, tant qu'ils vivent, je ne cesserai pas de les égarer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la réponse magnifique d'Allah subhanahu wa ta'ala, plein d'amour, plein de miséricorde. Il dit subhanahu wa ta'ala, et je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Hadith rapporté par Ahmed. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous devons savoir qu'il existe des causes qui permettent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'obtenir la rémission de nos péchés. Premièrement, la foi et les actes pieux. Al-Iman wa al-Amal al-Salih. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ankabut verset 7, et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits et nous leur rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Parmi les causes aussi, il y a la patience et les bonnes actions. La patience face au péché. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Hud, verset 11, sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Parmi les causes aussi, il y a la foi et la piété. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, verset 65, « Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Allahumma amin. Parmi les causes du pardon des péchés, il y a le fait de donner la sadaqa, l'aumône aux pauvres en secret.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Baqarah, verset 271, si vous donnez ouvertement vos aumônes, ça veut dire publiquement, c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donnez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Parmi les causes aussi, mes chers frères et sœurs, il y a le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre son prophète alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran, verset 31, dit, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Parmi les causes aussi, il y a le fait de s'éloigner des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, verset 31, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Parmi les causes du pardon des péchés, il y a l'istighfar, la demande du pardon, le fait de demander à Allah et de lui demander abondamment le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, verset 135-136, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous anéantirait et vous remplacerait par des gens qui commettraient des péchés et demanderaient pardon à Allah qui leur pardonnerait. » Hadith rapporté par un musulman. Regardez ce hadith qui montre la faiblesse de l'être humain. Que l'être humain est faible et qu'il se peut qu'il commet des péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est là pour lui pardonner s'il lui demande pardon. Parmi les causes du pardon des péchés, il y a le repentir et la foi et les actes pieux. Ces actes-là transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Furqan, verset 70, « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et il a dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Hud, verset 114, « Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. » Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et parmi les actes pieux, il y a le fait d'assister aux assemblées où l'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce magnifique hadith. D'après Sahl ibn al-Handali, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a aucun groupe qui s'est assis pour une assise dans laquelle il mentionne Allah. Il évoque Allah. Ils se rappellent d'Allah, puis se lèvent sans qu'il ne leur soit dit « Levez-vous, Allah vous a pardonné et a changé vos péchés en bonnes actions. » Hadith rapporté par Tabarani. Revenons maintenant à la question. Y a-t-il des signes qui peuvent nous permettre de penser qu'un péché dont on s'est repenti a été pardonné ou pas? Les savants nous disent que personne ne peut savoir si Allah lui a pardonné ses péchés ou non. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'informe. Ou son prophète alayhi salatu wa salam l'informe. Comme ça a été le cas avec les trois compagnons, radiallahu anhum, qui se sont absentés de la bataille de Tabouk. Et dont l'histoire est révélée dans sourate At-Tawbah. Pourquoi? Parce que ceci fait partie des questions qui relèvent de l'invisible. Savoir si Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné ou non. Donc c'est une chose qu'Allah
réserve pour lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une chose qui relève de l'invisible, que personne ne connaît, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, et malheureusement, pardon, et heureusement, il y a des signes et des preuves qui montrent l'acceptation du repentir et qui montrent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala des péchés qu'a commis le serviteur. Et ces signes apparaissent sur le serviteur s'il demande le pardon d'Allah et s'il se repente sincèrement à lui. Ça veut dire qu'il va faire une tauba sadiqa. Donc parmi ces signes, il y a le fait de ressentir un profond remords pour la désobéissance et un sentiment de négligence vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons ce remords, ces regrets, c'est un bon signe. Walhamdulillah. Le fait aussi que celui qui demande le pardon se fait tout le temps des reproches à lui-même pour le péché ou bien les péchés qu'il a commis. Donc ça, c'est un bon signe aussi. Parmi les signes aussi, le fait que celui qui demande le pardon soit très loin du péché dont il s'est repenti et de tout ce qui peut le conduire à tomber dans ce même péché. Alors, il évite tout ce qui pourrait le conduire à commettre à nouveau ce péché. Parmi les signes de l'acceptation donc du repentir et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que le serviteur s'empresse vers les portes du bien et les actes qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque voit qu'il accomplit davantage de bonnes actions avec sincérité, qu'il reçoive la bonne nouvelle. Car c'est l'un des signes de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers lui. Et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la persévérance et la bonne fin. Et quiconque se voit encore aimer les péchés et continuer dans la voie des péchés, ceci, et qu'Allah nous préserve, ceci est l'un des signes de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, alors qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se repente sincèrement à lui et qu'il se corrige, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera. Et le repentir, comme nous l'avions expliqué, s'il est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de l'accepter. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset de Sourate Shura, le verset numéro 25, « Et celui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. » Voilà donc ce qui est par rapport à la première question et les signes donc du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, il arrive que nous ayons des mauvaises pensées sur des personnes ou autres, mais nous ne nous passons pas à l'acte. Alhamdulillah. Nous ne nous passons pas à l'acte. Est-ce que nous serons jugés sur ces pensées? Par exemple, une personne qui nous a blessés ou qui nous a lésés, nous avons des mauvaises pensées contre elle, mais nous nous retenons d'extérioriser notre colère. Est-ce que nous serons jugés pour notre colère intérieure? Voilà donc cette question. Alhamdulillah, les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala est compatissant envers ses serviteurs au point où il ne les a pas chargés de ce qu'ils ne supporteraient pas. Donc, l'homme, l'être humain, n'est pas jugé sur ses pensées, walhamdulillah. Il n'est pas jugé sur ce que son âme lui suggère, selon ce qui est confirmé, et cela a été confirmé par le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Allah excusera aux fidèles de ma communauté le mal que leurs âmes leur ont inspiré, tant qu'il ne sera pas ce mal, tant qu'il ne sera pas traduit ni en parole ni en acte. Je répète le hadith du prophète alayhi salatu wasalam: Allah pardonnera aux fidèles de ma communauté le mal que leurs âmes leur ont inspiré, tant qu'il ne sera pas traduit ni en parole ni en acte. Et dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah,
Il a dit que Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit: après que ce verset fut révélé au prophète, alayhi salatu wasalam, parmi les derniers versets de Sourate al-Baqarah, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ بِكُلِّ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte, puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, et Allah est omnipotent. Donc lorsque ce verset fut révélé au prophète alayhi salatu wasalam, cela a perturbé les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Ils sont venus donc au prophète alayhi salatu wasalam, ils se sont mis à genoux et lui ont dit: ô prophète d'Allah, nous avons été chargés dans la mesure de notre capacité et nous avons pu accomplir la prière, le jeûne, le combat de l'ennemi. Et nous avons fait l'aumône. Cependant, nous ne pouvons pas appliquer ce qui est dans ce verset qui t'a été révélé. Donc ça, c'est la parole des compagnons du prophète, alayhi salatu wasalam, et qu'Allah soit satisfait d'eux. Le prophète, alayhi salatu wasalam, leur a dit: voulez-vous dire ce qu'ont déjà dit les gens des deux livres révélés avant nous? Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Qalu sami'na wa asayna. Dites plutôt, le prophète alayhi salam, il dit aux compagnons: dites plutôt, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous appelons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Qulu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Et les compagnons, bien sûr, radiallahu anhum, ils ont approuvé cette parole du prophète, alayhi salatu wasalam, ils l'ont accepté et ils l'ont dit. Ensuite, comme récompense, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets, donc les deux derniers versets de sourate al-Baqarah. Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction en ses messagers. Et ils ont dit: nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi qui sera le retour. Et quand ils l'ont appliqué, Allah l'a abrogé. Donc lorsqu'ils ont appliqué ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala l'a abrogé et a fait descendre ce verset suivant: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté les invocations des compagnons radiyallahu anhum, et ça sera donc valable pour toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est, alhamdoulilah, qui ne nous châtie pas et qui ne nous punit pas, donc l'être humain, pour les pensées qui passent par son esprit. Maintenant, revenons à ces situations difficiles que trouve parfois le musulman face à des gens qui lui font mal. Ce qui est demandé en islam, c'est que le cœur soit pur et qu'il pardonne aux gens qui lui ont fait mal. Je vais vous raconter cette histoire étonnante d'un homme parmi les compagnons du prophète alayhi salam, et à qui le prophète alayhi salam lui a promis le paradis, pour la simple raison qu'il avait le cœur pur vis-à-vis des musulmans. Anas ibn Malik, donc, nous raconte cette histoire. Il dit que un jour, alors que nous étions assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, alayhi salatu wa sallam,
un homme du paradis va bientôt entrer par cette porte. Puis un homme entra. Des gouttes d'eau tombaient encore de sa barbe. Il venait de faire ses ablutions. Ses manches étaient retroussées et portait ses sandales dans sa main gauche. Un homme que personne ne connaissait. Il fit sa prière, nous salua et quitta la mosquée. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme du paradis va bientôt entrer par cette porte. Et le même homme fit son apparition. Le troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ses propos et le même homme apparut à nouveau. Et lorsque l'homme quitte la mosquée, Abdullah ibn Amr ibn al-As, un jeune compagnon, radiallahu anhu, donc le suit jusqu'à chez lui et lui dit, je me suis disputé avec mon père et j'ai fait le serment de ne pas rentrer chez moi pendant 3 jours. Puis-je donc rester chez vous pour ces 3 jours? Donc il s'invite à Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui était présent avec le prophète alayhi salatu wasalam lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle du paradis pour cet homme. Donc, il était curieux, et il veut savoir que fait l'homme pour avoir mérité donc le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il s'est invité chez cet homme. Et donc, il lui dit, je me suis disputé avec mon père et fait le serment de ne pas rentrer chez moi pendant 3 jours. Est-ce que je peux rester chez toi ces 3 jours? Amr ibn al-As, donc, a été accepté et hébergé par cet homme. Donc, il allait finalement découvrir que cet homme du paradis n'avait rien d'exceptionnel. Pendant les 3 jours, il observait cet homme. Donc, il n'avait rien d'exceptionnel. Il ne priait pas plus. Il ne jeûnait pas plus et ne montrait aucune spiritualité débordante. L'homme n'avait pas une pratique extraordinaire, mais il n'alimentait aucun ressentiment à l'endroit des gens. Je ne l'ai entendu dire que du bien, dit Amr ibn al-As. Après 3 jours, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, vient voir l'homme du paradis dont il méprisait le peu d'actes d'adoration et il lui dit, je ne suis jamais fâché avec mon père et je n'ai jamais pris mes distances avec lui. J'ai juste entendu le prophète alayhi dire, un homme au paradis va bientôt entrer par cette porte et c'était toi qui entrais à chaque fois. C'est pourquoi je voulais dormir chez toi pour voir ce que tu faisais et ainsi t'imiter. Mais je n'ai rien vu d'exceptionnel dans ta pratique. Alors, qu'est-ce qui a amené le prophète alayhi sallam à dire cela de toi? Et l'homme lui dit, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. Et l'homme lui rappelle juste une autre chose. Il lui dit, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu, mais je ne ressens d'animosité ni d'hostilité envers aucun musulman et je n'éprouve dans mon cœur aucune envie, aucun sentiment de jalousie à l'égard d'un croyant pour un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et Amr ibn al-As finit donc par comprendre et dit à l'homme du paradis, c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé à ce rang. C'est une œuvre trop difficile pour nous, lui répond donc Amr ibn al-As. Il lui dit que le fait d'avoir un cœur sain et un cœur qui ne ressent aucune animosité, aucune hostilité envers les gens, ça c'est une mission qui est très difficile. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu le reconnaît. Le fait de purifier son cœur n'est pas une chose aisée, mais ce travail intérieur est impératif pour celui qui aspire à être élevé au rang d'élu comme l'a été cet homme du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'avoir un cœur pur et qu'il nous permette, bi idnihi subhanahu wa ta'ala,
d'accéder à son paradis. Allahumma amin, Allahumma amin. Donc voilà par rapport à cette deuxième question. Walhamdulillah. Et à la fin de ce cours qui est un peu raccourci, je rappelle que ce soir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, nous rentrons dans les meilleures, je dis bien, les meilleures nuits de l'année. Pas de Ramadan, de l'année. Les meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, qu'Allah nous accorde la réussite, qu'Allah nous accorde et qui nous permette les actes de bien. Je disais que le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il serrait donc la ceinture, il faisait l'effort encore plus d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et il réveillait sa famille pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala pendant la nuit. Et tout cela en vue de rechercher et d'atteindre la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du mérite ou bien la nuit du destin. Les savants nous disent que les chevaux de course, c'est à la fin de la course, lorsqu'ils vraiment ils se rapprochent donc de la fin, c'est là où ils doublent d'efforts. Donc c'est à nous, inshallah ta'ala, de doubler d'efforts pendant ces nuits-là. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه في هذه العشر الأواخر من رمضان نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في العشر الأواخر من رمضان نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا خير هذه الليالي العظيمة نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمان واحتسابا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين